enfin parler, vous et moi. Hello les blonditos, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce 26e de jour de vlog. Les copains, ce matin je me suis acharnée, j'ai tout nettoyé. Et autant vous dire que je ne pouvais pas commencer à travailler si c'était vraiment le bazar de partout. Parce que j'ai l'impression que quand c'est le bazar dehors, c'est aussi le bazar ici. Donc il fallait que je mette de l'ordre dans tout ça. Et écoutez, maintenant c'est chose faite, donc je vais enfin pouvoir travailler. On va dire que c'est un peu un Monday reset, finalement. J'en avais besoin, puisqu'on a accumulé pas mal de bordel ce week-end. On l'a reçu, on a fait à manger, on est parti à la plage, on allait pêcher. Bref, c'était le bazar. Et étant donné que je suis un petit peu toquée, ouais, je pense qu'on peut le dire, je suis un peu toquée, ce qui fait que vraiment, en fait, je pouvais pas commencer ma semaine, commencer mon lundi, que dis-je, vraiment commencer ma semaine en voyant que là, c'était le bordel, là, c'était le bordel, là, c'était le bordel. Ça me faisait une charge mentale de fou. J'avais l'esprit qui était ailleurs, je me disais, purée, mais si je fais pas ça là maintenant, mais purée. Maintenant, mon esprit est enfin tranquille. J'ai des tocs comme ça sur la propreté, le bazar, autant je peux le cautionner quelques jours, mais alors tout ce qui est crasse, etc., etc., j'arrive pas. Il y a des trucs genre par exemple rentrer dans mon lit avec mes vêtements de la journée, c'est no way, impossible, impossible. Il y a des trucs comme ça que je ne parviens pas à faire. Pour vous dire, quand je me lave les pieds, j'essaie de faire en sorte d'aller directement dans le lit. Je pense que je vais même investir dans une paire de tongs ou une paire de pantoufles que je vais mettre vraiment à côté de la douche et comme ça je ne touche littéralement pas les pieds par terre avant de rentrer dans le lit. Rien de pire d'avoir des petites peluches, des saletés dans le lit, c'est... Non, je peux pas. Ou alors bah, si je le fais, le lendemain faut que je change les draps. Parce que je dis n'importe quoi, je suis rentrée tard, j'ai la flemme, j'ai pas eu le temps de me laver les cheveux. Et pour vous dire, hein, même quand on part en soirée, que je rentre genre à 2h, 3h du mat, je me mets dans le lit. Mais avant de me mettre dans le lit, je me lave littéralement. Quitte à dormir avec les cheveux mouillés que je rabats sur le haut, comme ça ils sont comme ça, mon coussin il est là, les cheveux ils sont en haut. Mais au moins je suis propre et je suis tranquille, vraiment. Je pense que je suis toquée là-dessus. Bref, après vous avoir fait une petite confession intime, j'allais dire nocturne, mais c'est déjà le jour, donc c'est une confession, je sais pas pourquoi je parle de confection, une confession matinale. Il est 9h11, donc ça veut dire que j'ai mis 1h20 à peu près pour tout nettoyer, enfin pour tout ranger. Après tout ce qui est nettoyage en profondeur, de toute façon il y a la femme de ménage, donc ça c'est superbe. Je vais aller m'habiller, je vais aller travailler. Et puis écoutez, comme d'habitude, de toute façon, on fait la journée ensemble, hein. Allez. Voilà. Maintenant, on peut dire, allez. C'est l'heure de manger. Mais je sais pas quoi bouffer. Parce qu'il n'y a rien dans le panier. Donc, autant vous dire qu'on va jeûner. Il y a un avocat, puisque du coup, ma puce, elle l'a pas à la bille. Regarde, faut que je te montre une vidéo. Hier, Joey était super fatiguée. Moi, j'ai fini le montage, pas très très tard, mais je me suis pas couchée non plus super tôt. Et du coup, quand je suis arrivée dans la chambre, c'était vraiment trop drôle parce que Joe dormait à point fermé, mais vraiment il était comme ça, point fermé, et surtout il écoutait de la techno. Non, je te jure que c'est vrai. Je vous montre pas la vidéo parce que du coup elle est, bah, t'es pas habillée, donc voilà, mais regarde. Je me disais, mais attends, c'est quoi ce délire, c'est quoi cette merde, mais comment je dors en plus à fond, hein. Et vraiment, le mec dort et il écoute ça. Et là, je me suis dit, mais ça va ici ou c'est quoi le délire? Genre, je bosse et lui, en fait, il faisait voilà la fiesta dans la chambre. Attends, mais c'est quoi? Mais en fait, attends, mais je comprends parce qu'en fait, je regardais une vidéo et normalement, j'ai désactivé, tu vois. Et en fait, c'est cette vidéo et là, c'est un anti-spoiler, genre à la fin. Dire quoi, anti-spoiler? Je sais pas. Mais ça a duré longtemps, hein. C'est ça, attendez.
C'était super long, hein. Et Joe, il dormait, il était comme ça. Avec cette musique, c'était super fort. Bah, franchement, je suis arrivée pendant ces moments-là. Et le mec était à fond, quoi. Vraiment, genre, point fermé, je vous dis. Bah, allez, hein. Bon app, les Glogitos. Bon app. Là, franchement, c'est un repas sur le pouce. Quoi, la montagne. Et non. Il est actuellement 17h20. 17h combien? Ah non, il est plus que ça en fait. Il est 17h36. On doit faire quelques courses parce que comme on fait que manger dehors, eh ben ça n'aide pas pour la diète. Donc on va faire quelques courses, on va acheter ce qui manque très rapidement. Au passage, on va prendre 2-3 trucs puisque ce soir, on est invité chez d'autres copains que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne, yo. Ouais, vous les avez encore jamais vus. Bah, il me semble. Peut-être que vous les avez entrevus parce qu'on a dû faire des restos ensemble l'année dernière étant donné qu'il y avait encore les podcasts avec Maverick. Allez, et on fait les courses en brrr. On rigole. Ouais, bitch. Ouais. Allez, un truc vite fait. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir froid. Freedom. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment ce truc de mettre tout en tout à l'envers. Franchement, hier j'ai mis mon pyjama ce matin, il était à l'envers. Enfin, je m'en suis rendu compte ce matin. La dernière fois, ça m'est arrivé deux fois dans la même semaine, j'ai mis ma culotte à l'envers. Mais pas à l'envers, genre les fesses vers l'avant. En fait, je l'ai retourné. En mode, j'ai retourné mon slip. Allez, c'est parti, je suis prête. Je voulais faire une sortie de scène, mais une sortie de scène. Je me crois trop au théâtre. Mais du coup, vous allez venir direct avec me. Regardez, je vous laisse juste surveiller Joe. Salut l'équipe, au cas où je vole des choses. Je suis un voleur compulsif, tu penses? Je suis un mec droit dans mes baskets, ok? Ouais, c'est vrai. Vas-y, en vrai, on achète deux packs, non? J'ai vraiment la flemme. En vrai, tant qu'à faire, je t'avoue. Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti. Entre 2 et 5 packs, ça prend tant de temps, quoi. Je vous ramène pas. Vous savez quoi? Vous allez attendre ici. On arrive. Salut les filles. Ouais. Maintenant, faut éteindre. Regarde! Oh merci! On a mis combien de temps? C'était 54. Donc en fait, on a mis 25 minutes. En vrai, on n'a pas pris grand chose, mais. Parfait, là, c'est bien sûr. Ouais, vraiment! Vite, vite! Ça, c'est ma pauvre de moi qui attend Wood. C'est la vérité. C'est ce qui se passe presque tout le temps. Allez, je me devais de rétablir la vérité, salut. L'histoire qui s'est passée. Ah oui, attends, mais logique, on n'a pas mis les vrais. C'est ça récent. Tu pourras incruster la vidéo que j'ai faite. Si tu veux que je l'incruste ou tu veux leur raconter. Non, parce que je vais encore oublier et c'est mieux de montrer. Ça fait comme un stress d'horreur avec la photo et les messages de Thierry. Les gars, Mamie, hier, elle a vécu une dinguerie. Elle m'a raconté tout à l'heure. Alors, moi, je ne l'ai pas personnellement vécu, mais j'étais dans les lieux et j'étais avec la personne à qui ça arrivait. Est-ce que c'est la bonne date? Vous nous direz ce que vous en pensez. Bon, si vous croyez aux expériences paranormales, aux esprits et aux entités. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Thierry m'a renvoyé un message. Il m'a dit qu'il avait parlé avec son père et que son père travaillait à la MCB à Eben. Et que c'était réputé, ce coin était très connu pour qu'il y ait justement des trucs bizarres et avant il y avait un ancien cimetière. Donc, elle vous expliquera avec la vidéo que j'ai faite pour. C'est toi qui m'expliques. Je vous expliquerai avec la vidéo, je te l'enverrai en airdrop. Puis s'il y a des Mauriciens qui passent sur cette vidéo et si vous avez des histoires par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On veut bien entendre vos histoires. Tu sais ce que je voulais faire pour Halloween? C'est que justement, c'était une vidéo où c'est maman qui raconte ses histoires paranormales.
C'est pas mal. Il faudrait rentrer. Moi, ça m'angoisse. J'adore les trucs d'horreur. Tu l'as fait en France et tu veux venir. Moi, je veux l'entendre de sa voix. En fait, vas-y. C'est cool, je trouve, quand tu regardes des vidéos et quand tu prends le truc. Mais au jour le jour où ça t'arrive, parce que moi, je l'ai pas vécu hier, mais j'étais dans l'endroit. Mais j'avais vraiment des frissons. Parce que tu ressens l'énergie et tout. En fait, moi, j'ai jamais été confrontée à des expériences paranormales ou voir des ondes, voir des trucs, ou genre des chuchotements, je sais pas quoi. Par contre, il y a un truc que je sens, les ondes quand c'est négatif et quand. Tu vois, c'est une personne. Tu peux pas mettre ta main dessus. Une personne ou dans une pièce vide, par les exemple. Les deux. Et après, Abada, c'est très connu, fou, tu vois, pour qu'il y ait des witchcraft, tu vois, genre de la magie noire. Il y a, par exemple, les sorcières, Abada, on les appelle les pommes saves. C'est très connu dans les villages, dans les campagnes, tu vois. Ça me fait flipper. Sorcières, et elles sont nues, elles s'enduisent le corps d'huile pour éviter que si on les attrape ou quoi, tu vois, elles ont une corps. Tu puisses l'attraper, en fait. Ça glisse tellement que tu peux pas la choper. On spoil pas tout, mais il y a des trucs vraiment hardcore. En Afrique, de manière générale, il y a beaucoup d'histoires sur la magie noire, tu sais, un petit peu des trucs comme ça. Il y a une forêt là, la Daruti Forest, elle s'appelle. Apparemment, là-bas, il faut mettre dedans là-bas. Mais en tout cas, j'irai pas la nuit. Genre, quand on passe de jour, ça va, mais de nuit, c'est terrifiant. Genre, encore de jour, tu la traverses en voiture, tu vas pas dans la forêt, tu vois. Ouais, tu passes juste comme ça, j'aurais peur. Mais faites ça avec votre mère, c'est incroyable. Ouais, je pense que ça peut être vraiment cool. Il a dit ouais, tout ça. Mais jamais arrivé, moi, des trucs pas. Moi non plus. Comme toi, sentir même. Ouais, non, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai déjà vu des gens. Après, ça arrive, mais. Alors, j'ai une copine une fois, elle était rentrée chez moi à l'étage. Elle est restée dans ma chambre, elle m'a dit. Ton grand-père il est décédé parce que là il est dans ta chambre. Oh, oula, ça fait peur, frère. Il y a ton grand-père dans la chambre. Ah, mais tu enregistres tout. Ouais, oui, il est décédé, en effet. Franchement, moi je suis dans la maison. Pas complexe. Enfin, dans la maison, il était pas désolé, je sais pas, mais enfin, il est venu, il était dans la maison mort, enfin bref. Voilà. Jamais, et il a pas de notre. Et un autre truc, moi j'ai jamais eu des trucs. Moi non plus. Mais il y a des gens qui ont des talents, vous êtes déjà allés voir, je sais pas si c'est kinésiologue ou un truc comme ça. Non, jamais. Ma mère est décédée, j'ai une copine qui m'a dit va voir cette personne, ça va te mettre des énergies en place et tout. De toute façon, ça peut pas me faire de mal. Au départ, elle me parle de ma mère. Logique, je consulte ça. Si. Mais sans plus mentir, elle te sort un peu des trucs bullshit que tu peux dire à tout le monde. Oui, dans ton passé, il y a ça. Mais elle a mis les mains à des endroits. Elle m'a sorti des trucs. Avec des dates, c'est impossible de trouver ça sur Facebook. Des trucs que d'un seul tome et une ou deux personnes de ma famille, ouais, c'est un truc grave qui puisse t'arriver, ou des secrets, genre des dates, des prénoms, des personnes, des lieux. Ça fait très très peur. Moi j'ai jamais en off devant la cam, ce que ça concerne. Comment elle a pu savoir si ta date et tout. Moi, j'ai jamais vraiment été croyante, tu vois. Mais j'ai toujours cette ouverture d'esprit. Je me dis, why not? Genre, on sait jamais, tu vois. Ouais, mais même Lionel, Lionel aussi, il disait qu'il avait vu des trucs, des dingueries au Bénin. Les trucs au Bénin. Non, mais donnez, parce merci, que là, merci. Tu vois, ça, c'est Rémi, il a lancé du. Santé! À la vôtre! Oh putain, attends, faut pas croiser. Oui. Parce que je vous propose santé plus loin. Ah, la santé. Je vous propose un double toast. Ah. Parce qu'il y a autre chose aussi. Oh, il y a... Filme pas. Là c'est un secret. J'ai volé la caméra pour parler un petit peu. Je pense que ma puce elle le verra du coup au montage. Elle est pas au courant là, c'est très marrant parce que elle est juste en face de moi, genre juste ici. Et elle me voit pas. Ça me fait rire. Enfin bon, bref, je voulais pas spécialement voler la caméra comme ça, mais j'ai ressenti juste le besoin de prendre la caméra, puisque en fait, pour être honnête, je suis à l'intérieur et tout le monde est à l'extérieur et je me fais un peu chier. Mais c'est surtout que je voulais juste parler d'un petit truc comme ça, d'une pensée que j'ai eue là à l'instant. Et que je voulais un peu partager avec vous. Donc je vole le vlog, je vole la chaîne YouTube. Mais je sais pas si vous aussi ça vous fait, mais des fois je ressens un peu vraiment genre une fatigue sociale. Genre autant je suis très contente d'être entourée, d'être avec les gens que j'aime et
des fois je ressens un peu cette fatigue sociale où j'ai un peu cette batterie sociale qui est à plat. Et je ressens le besoin de m'isoler et de pas spécialement voir du monde. Et là c'est vrai que c'est un peu délicat parce que on a de la famille et, qui nous a rendu visite à Maurice et on a besoin aussi de fêter à différents événements. Donc demain c'est l'anniversaire de Rémi. Et donc forcément on est à plusieurs, etc. Et je suis extrêmement contente d'être entourée de personnes comme ça dans mon entourage de manière générale. Je suis très reconnaissante et je suis très heureuse. Mais j'avoue que des fois j'ai un peu une batterie sociale qui descend et qui est bas. Et du coup c'est difficile pour moi d'être naturelle comme je suis d'habitude, d'être, je vais pas dire extravertie parce que je le suis pas, mais d'être un peu faux-folle comme vous avez l'habitude de me voir dans les vlogs. Et là c'est vrai que je me sens très fatiguée de par la mono et l'infection, mais c'est pas une excuse hein, mais ça joue quand même beaucoup. Je suis très fatiguée, j'ai du mal à prendre un peu de temps pour moi parce que on a de la famille comme je vous l'ai dit, et du coup j'ai vraiment envie de passer énormément de temps avec eux, de profiter avec eux. Et c'est délicat parce que je veux pas me surmener non plus. Mais le temps passe tellement vite et je suis encore un peu en convalescence, donc j'ai l'impression de louper beaucoup de choses. Et en même temps j'ai ma batterie sociale qui est extrêmement qui varie énormément. Et là par exemple j'ai décidé de ne pas sortir et d'être avec tout le monde puisque déjà de base ils fument et moi c'est vrai que la fumée me dérange énormément. Mais c'est aussi parce que du coup je ressens aussi un peu le besoin de m'isoler des fois et de pas ça m'épuise en fait de manière générale. Et voilà. Et du coup je sais que je dis comme ça, j'ai l'air un peu déprimée et pas bien, mais je suis très heureuse, je suis très contente d'être sortie ce soir, d'être entourée des gens que j'aime. Mais voilà, pour moi c'est vrai que c'est un peu difficile et là je pense que je suis dans cette phase où je suis extrêmement fatiguée et où ma batterie sociale est très basse. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais partager ça avec vous. J'en ai profité puisque tout le monde est sorti. Je vais vous montrer, je suis vraiment toute seule. Il n'y a vraiment plus personne, je suis toute seule. Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. On peut couper. Et je rends l'antenne à ma pupuche. Et elle mange pas ? Si, si, elle arrive, elle adore jouer de la sauce piquante. Ouais, je veux bien. Bon appétit. Bon appétit. Là, elle est. Ouais, tu comprends pas. Là, il y a un sablé praliné orné d'une mousse mangue passion et d'un crémeux praliné. Là, une mousse au litchi, je me souviens. C'est un peu plus compliqué, dis toute la description. Bon, là, j'ai un éclair, une pâte à choux croustillante fourrée avec un crémeux au chocolat au lait, au caramel mou, à la fleur de sel, saupoudré de cacahuètes grillées. Ça va être fou. Là, c'est un caramel mou enrobé d'une crème au chocolat lacté et d'une crème à la vanille allégée sur un biscuit au chocolat. La bave, tu sais. C'est un macaron cacao fourré avec une crème mascarpone et un crémeux au café. Ils sont fait chier. Donc la mousse, une pâtisserie. Il a juste dit mousse au litchi, mais il y a de l'essence de rose dans celui-ci. Après, j'ai. Celui-là. Celui-là. Ouais. Celui-ci, c'est une mousse au chocolat fourrée au confit de framboise sur son biscuit au chocolat. Tout ce qui est sur son fermier. Et celui-ci. Ça ressemble à un chou, non? C'est quoi? C'est du coco, monsieur? Celui-ci, c'est possible, je crois qu'il y a de la coco avec celui-ci. Ouais. On dirait une cerise un peu confite. De la coco. De la coco. Débat. De la coco, ouais. De la coco? Oui, de la. Non, c'est du coco, ouais. De la noix coco, du coco. Ah, tu vois, ok. Ouais, ouais. Mais de la noix de coco. Ouais, là, la coco. Il n'y avait pas été inutile. Au possible. Au possible, ouais, tout le monde s'en fout. Ouais, le carré, là. Ah ouais? Ah ouais. De ouf. Celui-ci? Ouais. Ouais, chocolat ou les mousses de vanille, là. Mmh. Ouais, j'avoue, c'est l'éclair aussi. Hein. Ou alors, on se partage dans les assiettes. Nous aussi, on a du. T'as des cuillères, Lionel? Ouais, j'ai un. Ma mère, elle a fait un truc qui s'appelle le blanc manger coco. C'est pas un jeu? Ça ressemble un peu à une banana. C'est ouais, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Oui. Excellent. Le dernier, il n'y est pas. Le dernier, attends, c'est lequel, celui-là? Ouais, celui-ci, je crois que c'est de la coco. Mais je crois qu'il a raison, Lionel, c'est la coco. Ouais. Non, c'est sûr que c'est la coco, mais je crois qu'il y a d'autres trucs avec. C'est au coco. Ouais.
la coco. Il est là, non, au coco. Au coco. La coco, le coco. Ou à la noix de coco, mais ça n'a aucun sens. Laisse à la noix de coco. Putain, t'as vu ? Pile, il est là, mais du coup, c'est... je me vois. Ah oui, impossible. C'est ça, c'est la noix de coco. Je ne sais pas. Le coco. Ce sera surprise. Bah ouais, c'est-à-dire que je pense qu'elle est en train de m'endormir là. Et je m'en suis pas rendu. Il y a des trucs comme ça. Bon bah allez. Révélations. C'était quoi déjà ? Et surtout, t'étais pas. Ouais. Ouais, c'est du surgelé. Ouais, c'est du surgelé. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Hello les gars. Du coup, comme vous avez pu le voir, on est sortis un peu, on a passé une excellente soirée. En tout cas, moi, j'ai passé une super bonne soirée. Je vous ai pas trop filmé en rentrant tout à l'heure quand on a fait les courses parce que, en fait, je pense que j'étais vraiment pas très très bien. J'ai un peu paniqué, mais j'avais pas forcément envie de vous montrer des mauvaises vibes. Donc j'ai pas trop filmé, mais c'est cool parce que du coup après on est sorti, ça m'a changé un peu l'esprit, ça m'a changé les idées. Et donc voilà. En tout cas les gars, j'espère que vous avez passé encore une fois un bon moment à nos côtés, que vous avez apprécié de passer ce petit temps-là avec nous. Je ne sais plus parler, il faut que j'aille me coucher. Merci en tout cas de l'avoir passé avec nous. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog d'août. C'est bientôt la fin, my god. On est le 27. Bisous. Salut l'équipe. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel. Around too many times, I'd never hurt you if I could. So you let your guard down. You're like a glass of wine.